Coucou, c'est Maëlys010 de nouveau. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo qui sera sur la spéciale Cavalier King Charles. Donc j'espère à tous que vous avez passé une très bonne semaine. Moi je ne fais plus trop de vidéos, enfin, dans la semaine parce que je suis en internat. Et bah, je n'ai pas le temps, je ne peux pas en faire pour le moment, juste le week-end quand je reviens. Enfin voilà. Donc, Yorkie. Donc, j'aurais dû donner à manger et à boire ce matin. Déjà. Pour qu'on perde un peu moins de temps. Minette. Et Abby. Voilà. Abby! Non, bon. C'est pas grave, je vais appeler Abby. Il est trop chaud. Oui, tu m'as manqué, mon petit chat. Voilà, voilà, juste une petite caresse. On va voir si ça peut vous faire un tour. Je vais juste voir. Bon, ok, on va faire celui-là. Je vais faire un tour. Dresser. La morte. La morte. Éternue. Bon, désolée, c'est moi qui n'ai pas peut-être appris le tour encore à mon chiot. Alors, on n'en a pas là. Alors, les cavaliers King Charles se trouvent ici. À droite des Shetland, donc dans ma précédente vidéo que j'avais fait sur les Shetland. Donc les cavaliers se trouvent ici. Vous pouvez en avoir des blénièmes, roux et blanc, tricolore, rubis ou surprise. Cavalier King Charles, chien britannique identifiable à son port noble et à ses oreilles élégantes et soyeuses. Excusez-moi, j'avais eu un doute. Alors moi j'aime beaucoup les petits cavaliers aussi, j'adore. Bon, j'en ai peut-être pas chez moi, mais en tout cas je les adore, franchement. Et je regrette de ne pas en avoir acheté un. Voilà. Cette femelle facile à vivre adore s'amuser avec ses jouets. Donc eux ils coûtent 1380 €. On va refaire blénième. Je sais pas trop la prononciation. Hein. Excusez-moi parce que ouais, je ne sais pas trop prononcer ça. Cette femelle adore les jouets et s'entend mieux avec les gens qu'avec ses congénères. D'accord. Ils ont des yeux verts. Trop beau. Un mâle gentil avec tout le monde, inconnu compris.
Venise, ils ont trop les yeux verts. Enfin, vous, vous les voyez un peu marrons. Ben, c'est pas grave. Avec la grosse tache blanche. Dézoomer un peu. Voilà. J'espère que vous voyez mieux quand même. Hein. Vous voyez pas l'écran en bas. Une petite polissonne qui passe beaucoup de temps avec ses jouets. Maintenant, à faire Ruby. Alors, celui-là. Un mâle très curieux qui n'en fait qu'à sa tête. Celui-là. Un mal gentil avec tout le monde, inconnu compris. Et dans les surprises. Alors, là, il n'y a pas vraiment de. Je vais faire plusieurs fois surprise. Bah voilà. Vous voyez qu'ils sont marrons, enfin marron foncé et couleur caramel un peu. Désolée, j'ai résumé un peu. Cette femelle indépendante tombe mieux avec les gens qu'avec les autres chiens. Celui-là, ça fait un peu tête de mort. Enfin... Un mâle facile à vivre qui aime s'amuser avec ses jouets. Bon bah voilà. Alors Yorkie qui fonce dans tout le monde. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, évidemment. Et on se retrouve bientôt, peut-être la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà. Au revoir tout le monde. Bisous.